Y'all ready for this? Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey Sans Limite, une petite version écourtée du show hebdomadaire et une version allongée d'un avant-match. On est comme entre les deux aujourd'hui. Ce soir, le Canadien qui affronte les Hawks de Chicago, un duel au sommet entre la première et la troisième équipe de la Ligue nationale présentement. Hey Yannick! Ouais, vas-y. Price ou Roy? Première interruption. Ouais, c'était mon idole, mais à voir comment Price goal présentement, on s'entend-tu pour dire que y a pas un gardien que j'ai vu aussi dominant depuis que je suis le hockey. T'as beau aimer ou pas Price, tu peux pas reconnaître à quel point ce gars-là il est dominant présent. Mais dominant, j'ai toujours cru, je vais te dire ce que j'ai dit tantôt, là, j'ai toujours cru que Price serait un gardien numéro 1 de la ligue puis le meilleur au monde. Mais de le voir 10 coches en avant des autres, ça pour moi, ça, je suis ébloui par ses performances match après match après match. C'est absolument phénoménal. Premier gardien de l'histoire à gagner ses 10 premiers matchs dans une saison. À lui seul, il va finir sa carrière avec quoi? 10, 12 records personnels? C'est absolument phénoménal. Moi, je le savais que je le ferais déraper, Red. Je le savais. Bon, vous savez, Yannick, bien sûr, répondre à vos questions sur le chat. Gênez-vous pas, votre animateur, pour ce soir. La semaine prochaine, dimanche prochain, ça va être Ellie qui va animer. JD va être là aussi, supposé. J'attends des confirmations. Ben, on a dit ça, Yannick, mais... Oui, non, c'est vrai, t'as raison, c'est ça. Non, c'est parce que je pensais au match de l'Impact, mais c'est mardi, ça fait que ça n'a pas rapport. Ouais, c'est ça. Vous avez entendu Ellie, un de nos panélistes ce soir, et on a aussi Daniel. Daniel est en forme? Ah oui, tout le temps. Bien content d'être avec vous autres. Il y a un qui n'a pas encore parlé, parce qu'il est encore frustré que j'ai pété une coche sur sa question de la semaine. Ouais, il est en forme? En forme. Yes, sir. Bon, on revient sur le match hier, les Red Wings. Les Canadiens qui ont, on va le dire, là, ont écrasé les Red Wings hier. Le Canadien, après avoir loué seulement 15 tirs à 5 contre 5 contre les Kings de Los Angeles, n'a loué seulement que 16 hier contre les Red Wings de Détroit à 5 contre 5. Écoute, on vient d'avoir deux performances quasi identiques, là, on va se le dire. Là, le match contre les Kings puis le match de hier, l'exécution, la relance, les replis défensifs, Carey Price, nommez-les Price, là, je vous dis tout de suite, il va être la première étoile de la semaine demain. Sérieusement, là, c'est un match quasi parfait hier. Là, je veux Daniel, vas-y donc, hein, c'est un match parfait tant qu'à moi. Là. Ben oui, regarde, ben franchement, je veux dire, tu checkes, mais regarde, Price, je me demande si ça vaut sérieusement la peine de continuer d'en parler. Ouais, ça vaut la peine, mais en même temps, il est tellement calme. Je veux dire, il fait des arrêts, puis on dirait qu'il s'en crisse, là, excusez le terme. Tu sais, ça se fait tellement naturel. Ça, là, ça donne juste la meilleure des confiances aux gars en avant. Même quand ils jouaient pas bien, Price faisait des arrêts. Les gars se disent, tabarnak, let's go, on y va, tu sais. Non, sérieusement, il y a l'exécution, le forecheck, les passes, tout était à point, tout. Non, sérieusement, c'était écœurant, hein, gars. Ouais. Mike, oui, t'as pas oui, dit. Ouais, vas-y, Ellie. Non, mais vas-y, Mike, là, j'arrête pas de piquer à poc aux autres, genre, sauf que là, je vais essayer de me contenter aujourd'hui puis moins manger, ça fait que c'était tonto. Moi, j'ai trouvé que c'était un match en deux teintes, là. Les deux premières périodes dominées outrageusement par le Canadien, puis la troisième période, une période à la Price, là, il a volé des... Ouais, des mais gros... c'est les pénalités en troisième que ouais, tu sais, il y a eu 6 minutes de power play, là, tu sais, ça. Ouais, il y en a eu pas mal. Ouais. Mais Price, là, wow, comme vous avez dit, il n'y a plus rien à dire, là, c'est phénoménal. Je pense qu'il est plus dominant que deux ans, c'est assez fou, tout a l'air facile, c'est... Ouais. Moi, je vais vous le dire à quel point il est dominant. Puis j'ai eu la réflexion en textant mon père hier. Ben, aujourd'hui, on s'est parlé de ça. Puis j'ai eu la réflexion suivante. De un, c'est certain qu'il n'y a, pas les exploits de Roy. Mais moi, je me rappelle d'avoir vu Roy pendant plusieurs années quand j'étais flo. Puis c'est le même genre de dominance. La seule affaire, c'est que j'ai jamais vu, puis ça, c'est le cas présentement, des équipes changer de style de jeu quand il affronte notre équipe. Là, c'est vrai, c'est the real fucking deal. Le gars est tellement dominant que les joueurs de l'autre équipe changent leur façon de jouer au hockey. Il est meilleur, c'est absolument... Il rend nerveux les autres équipes, dans le fond, c'est un peu ça. Il essaie de prendre des shots différemment, il essaie de basquer le goaler, il essaie de tout faire qu'est-ce qu'ils font pas d'habitude. Ça marche pas. Des trucs qui sont pas naturels. Ben oui, parce qu'on a vu tous les styles. C'est là que tu sais que la dominance dépasse son talent. La dominance, c'est de l'intimidation brute. Ouais. Parce qu'on l'a vu, des matchs qu'ils bombardaient Carey Price, ils gagnaient pas. Fait que je pense que les équipes sont comme dit, OK, on va moins lancer sur lui, mais on va essayer d'avoir des tirs de meilleure qualité. Mais ça marche pas plus. Présentement, là, il y a absolument rien
qui peut le sortir de là, Price. Il est dans un dans une bulle qui appartient. C'est personnellement, dans une séquence de 10 matchs, pour moi, en 30 ans que j'écoute le hockey, 25 ans, mettons que je suis vraiment depuis l'âge de 15 ans, j'ai jamais vu un gardien dominer autant sur une période de 10 matchs comme ça. Même Hašek, même Roy, nomme-les, là, même Brodeur. Puis Brodeur, Hašek, là, je dire, Hašek, le dernier peut-être Hašek. Peut-être dans ces années-là. Mais sérieusement, dans le hockey moderne, parce qu'Hašek, on va dire, il avait un style bien à lui, c'était vraiment différent des autres, là. Mais c'est absolument phénoménal. Là. Hier, il a fait un save sur un tir dévié du gars des Red Wings. Là. Il l'a pogné dans sa mythe comme si rien n'était. Le gars des Red Wings l'a regardé. Là, il a comme fait à lever la tête en voulant dire, mais voyons donc. Là, là, puis à Mané, les joueurs sur le banc. Il y a une chose comme Kopitar contre les Kings. Là, il regardait Price. Il a parti arriver pour Price dans son masque. Là, il est arrogant en plus. Il regarde les joueurs. Puis il lui fait des clins d'œil. Ben oui, man. Je le vois, il a pas des points que le roi. Stamkos, je m'en rappelle à Montréal. Il a fait un save Stamkos. Stamkos pour son aval. Il a fait un gros sourire. J'étais comme. Hey man, ça fait chier pour un joueur, ça là. Tu veux garder l'autre bord qui te rit d'en face après avoir fait un save, là, t'es comme... Puis contrairement à Hašek, tu sais, que lui, Hašek, tu sais, ou peu importe, on peut nommer plusieurs autres gardiens qui ont dominé, c'est vrai qu'il est plus proche de Brodeur que des autres, parce que Brodeur, à son pic, était super calme aussi, se faisait frapper par la rondelle plus que d'autres choses. Puis c'est ça qui est cool, parce que tu le vois, ce style de gardien-là peut gauler jusqu'à la fin de la trentaine facile. Parce que c'est pas quelqu'un qui a besoin de ses réflexes. Ça, c'est pas Jonathan Quick. Hašek, lui, il était rendu sur le ventre, puis il kickait par en arrière la puck avec le talon genre de son patin, genre, puis il réussissait. La seule affaire, c'est que quand t'as 38 ans, ben t'as plus les mêmes springs dans les jambes que t'avais à genre 20, tu sais. Ça fait que moi, c'est pour ça que je me dis, aïe, on va se calmer le pompon, là, ces 15 games, là. La seule affaire, c'est que ce stretch-là qu'on voit présentement est fucking impressionnant. Oh, puis il faut le reconnaître. Faut le reconnaître, parce qu'on voit ça. C'est pas juste de la loc, là. C'est pas juste de la loc, rapidement. Écoute, c'est pas juste de la loc, parce qu'il y a 2-3 matchs, ben 4-5, mettons, qu'on n'a pas si bien joué que ça. T'sais, à ses 88 derniers matchs, il y a 66 victoires, 18 défaites, 6 défaites en overtime. En 88 matchs. 88 matchs, 64 victoires. Hey, écoute, là. Écoute, c'est absolument phénoménal, là. On parle depuis la saison. Puis j'ai pas calculé la saison de 34-25, la saison d'avant de 59 matchs, là. Donc depuis 2014-2015, c'est... Il y a personne qui peut mettre en doute que c'est le meilleur au monde présentement. Il y a personne, là. Puis pour changer de sujet, le trio de Galchenyuk, Kadulov, Byron, c'est hallucinant. C'est hallucinant comment ils contrôlent ces fourrettes. Puis Byron, il est complète tellement bien. Il est tout le temps où ce qu'il faut. Fait que... Ah, il me fait capoter, Byron, mais sérieusement. Soir, il est tellement rapide. Ouais, mais Kenville, à soir, on va en parler tantôt, mais Kenville, à soir, il va mettre Tays contre ce trio-là. J'ai hâte de voir. Ah, parce c'est que là, on a joué 10 matchs à domicile, seulement 5 à l'étranger. Fait qu'on va pouvoir rétablir un mané l'ordre. Si on s'en va dans l'Ouest à la fin du mois, là, on s'en va Ducks, San Jose, Los Angeles, puis Saint-Louis. Là, les 4 matchs, là, le 29 au 6, du 29 novembre au 6 décembre. J'ai hâte de voir aussi les match-ups à l'étranger, parce que le dernier match à l'étranger, on va s'en rappeler, là. Je pense que... On va pas s'en rappeler. On va juste mention, mais je pense que ça, c'est un match à oublier. Je l'avais dit. Dérapé solide, mais regarde, ils ont clenché les Blues 8-4 hier. Ouais, 4 victoires de suite, ouais, c'est ça. Mais après leur match de 2-0, ils ont marqué genre 4 buts en 3 matchs, je pense. Ça allait pas bien. Là, hier, 8 buts encore. Tu sais, c'est un peu ça, là. Mais je l'avais dit que ça laisserait pas de traces. Hein, il est pas toi qui me dit ça, ben oui, mais juste de ça, il y a Sylvain quelqu'un qui me plantait l'autre fois, mais ça c'est un autre affaire, mais qui disait qu'il était derrière Price au Centre Bell, puis qu'il était fasciné par le fait à quel point ça semblait facile, tu sais, les arrêts et tout, genre. C'est un prodige, les gars, man. Il va falloir qu'on dise les mots comme celle-là, puis il faut qu'on le chérisse, mais c'est le joyau, puis c'est un esti de fête, là. Puis il y a une affaire là-dessus, justement. Je te laisse aller, là. Mea culpa, puis tous ceux là, qui ont chié là, sur Guéné de nous l'avoir forcé, ce gars-là, on devrait le remercier à genoux, tabarnak, man, parce qu'on était épais, man. Je pense que c'était son meilleur move, Guéné, à vie, ça, d'avoir puis respect, Guéné, man, esti, on t'a crissé dehors, coup de pied dans le cul, tu le méritais pas, c'était nous autres qui étaient caves, t'avais raison. Ben, il méritait peut-être d'être congédié, là, on va dire les vraies choses, mais il a pas juste fait des mauvais moves, parce que beaucoup de monde s'appelle juste de McDonough. Mais juste le fait d'avoir regardé Carey Price par-dessus Halak, ça pour moi, c'est... imaginez-vous si Price avec les Blues. Il aurait écouté la tendance populaire, mais Price ailleurs, tu sais.
Même avant Bergevin, s'il avait écouté Bergevin, Gilbert Brûlé. Si Bergevin aurait écouté la tendance populaire, on n'aurait pas chez Weber à la ligne bleue, qui est premier pour les buts en power play, qui en a déjà 6, le même total que l'ancien qui était avec nous autres l'année passée, qui jouait à sa place. Deuxième pour les points, premier pour les plus et les moins, plus 17. Il a joué au-dessus de 280 minutes à 55, seulement 2 buts marqués contre depuis le début de la saison. C'est absolument phénoménal comme statistique. Tu sais, là, des fois, la tendance populaire, là, faut vraiment pas la suivre. Comme aujourd'hui, j'ai vu du monde blaster chat, puis on peut-tu vous le renvoyer contre 2 choix de deuxième ronde? C'est comme, yes! En tout cas, on va en parler pendant la question, ça. On va revenir tantôt pour la question. Oh, ouais. Justement, je vais juste rajouter de quoi par rapport à ça. Price, là. Price, là, ce qui manquait, là, essentiellement, là, c'était pas le côté talent. Non, ça y prenait une présence intimidante en avant de lui. Tu as justement mentionné son nom. Chez Weber, il amène tellement un élément, justement, d'intimidation. On l'a vu encore hier. Je sais pas c'est qui a juste donné un coup de bâton. Je pense que c'est Tatar ou quelque chose de même. Il a juste donné un coup de bâton à Price. Weber s'est reviré, le coup de poing en arrière de la tête, m'a dit qu'il y avait intérêt à se tourner de là. C'est ça qui arrive. C'est que là, les joueurs prennent. Ah oui, c'est ça. Ils prennent plus leur liberté autant avec Price qu'ils faisaient dans les années passées. Les années passées, il n'y a personne qui dérangeait. T'as Louis Charbonneau sur le chat qui a dit quoi vraiment vrai. Il dit ça aurait fait comme la malédiction de Babe Ruth au baseball s'il aurait échangé Price au lieu d'Alak. Ça aurait venu nous hanter. Puis c'est vrai, là. Quand tu y penses à ça, là, quand tu penses à ça aujourd'hui. À chaque fois que tu échanges un gros morceau, tu prends la chance que ça soit une malédiction. Là. Pour tout le monde, on parle de Weber, mais. Ouais, dans mais Weber, souvent, ça... peut-être que ça. Ouais, peut-être mais que Weber... là, on dira pas la même affaire. Ouais, mais ça reste deux défenseurs qui sont quand même équivalents. Si on regarde Price et Alak présentement, c'est. Trois mondes de différence. Tu comprends-tu? C'est ça la différence. Los Angeles m'appelle demain matin et me disent je te donne Jonathan Quick ou Tyler Toffoli, Jonathan Quick, puis un premier choix repêchage. Tu dis, Chris, j'ai un gardien qui va être peut-être inférieur à Price, mais Chris, j'ai un gars qui va marquer 30 goals en avant, puis j'ai un premier choix repêchage en plus. Tu comprends-tu? Tu sais, là, tu as moyen de. Mais là, on parle vraiment d'un monde de différence entre les deux gardiens. Puis il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas souligné au dernier match, mais j'aimerais ça parce qu'on a craché dessus souvent, genre souligné l'implication du capitaine. Qui moi là, il m'a été sympathique hier. Et tu sais, on m'a souvent dit, écoute, le gars, il travaille fort, il prêche par l'exemple. J'ai vraiment trouvé que c'était vrai dans ce match-là. Il cherchait pas le tu sais, même quand. Je sais pas comment dire. Le gars semble sa job, puis malgré ses déboires, j'ai l'impression qu'il travaille pour les gars. Ben, c'est déboires. Malgré ses insuccès offensifs, puis on devrait peut-être juste souligner ça 12 au lieu points, de dire ben 12 points en 15 matchs. C'est plus... parce on parle de buts, parce que 12 points en 15 matchs, c'est un pays à 60 points. Fait que, tu sais, c'est plus ses variations d'intensité, je pense. Ouais, des fois, il est là, des fois, il est pas mais là. Parce qu'on va se dire. Ça va bien avec Dano à date. Puis il a accepté d'être rétrogradé sans rien dire. Absolument, mais. Moi, j'ai aimé sa gestuelle, son body language hier. J'ai été le premier aussi à cracher, pas à cracher, mais à souligner quand il jouait pas bien, puis souligner ses moins bons côtés. Mais je me sens responsable du fait de souligner ses bons côtés quand il l'a fait, puis je pense qu'on n'en avait pas parlé, c'est important pour moi, je pense. Il doit-tu être heureux de gagner, lui, là, avec C sur son chandail, l'année passée, avec la saison de misère qu'il a eu. Puis il dit jamais, tu sais, je l'ai écouté en entrevue, là, puis... Il dit, je m'en fous du numéro de trio que je vais jouer. Il dit, moi, l'important, c'est que l'équipe gagne. Bergevin a répété la même chose. T'sais, il l'a dit avant hier, Bergevin. Il dit, moi, si Pacioretty aurait 10 buts, bon, je jouerais pour 500. Il dit, vous chialerez pas sur Pacioretty, mais vous chialerez sur l'équipe. T'sais, c'est ça. Là, on peut pas chialer sur l'équipe, fait qu'on vise des individus. T'sais, là, c'est un peu ça. Mais tu sais, Yannick, là, c'est vraiment le défaut de notre qualité. Ça. Je l'ai souvent dit à quel point qu'on était dur envers notre équipe. Parce que dès qu'on a vu ton 100%, on va te redemander ton 100%. Puis c'est... En même temps, ça peut être le meilleur des boosters, ça. C'est, ça dépend comment tu le prends. C'est comme c'est la pression, là. Si tu réussis à le switcher de bord, le poids, ben c'est comme au judo. Tu réussis même à crisser l'autre de bord. Quelle image weird là, que j'allais chercher. Ouais, j'avoue. Il y en a qui sont mûrs à ça, puis l'autre point. Puis, Mais c'est psychologiquement. C'est comment toi, tu le switches. Puis là, hier, comment j'ai aimé comment je l'ai vu réagir. J'aime comment il prend la pression ces temps-ci. Puis j'aime comment l'équipe joue. Chris, on peut rien dire. Là, je veux dire, c'est malade. Puis on parle de Carey Price, mais il s'est quand même compté fucking 5 buts hier. Là. Ouais, c'est quand même pas Carey Price. C'est 3-0. Puis Canadien qui n'est pas reconnu pour scorer beaucoup de buts en première période. Ça aurait pu être 6-0.
tu sais, on va se dire tout de suite, là, avant le match. Hey, d'ailleurs, c'est quoi cette call-là, man? De quoi? Le but refusé. Ah non, il était pas bon. Il a poussé la rondelle, Élie, le règlement est... Non, je sais, mais le règlement est clair, il a jamais touché la rondelle. La rondelle était sur la jambière du gardien, ouais, et il a poussé la jambière pour que la rondelle tombe en arrière. Le règlement est clair, si ce but-là ferait contre Price, je suis en tabarnak qu'il la loue. Avec le nombre de fois là, que j'ai vu des joueurs frapper les pads, puis la puck est pognée en dessous de la pad, il frappe la pad. Ouais, mais hier, c'était évident, oui, mais quand ça arrive vite, tu peux avoir un jugement. Mais hier, c'était évident, la rondelle était arrêtée, tu vois la rondelle arrêtée. Non, mais je sais, mais hier, moi, quand j'ai vu le but, je parlais avec mon frère au téléphone, puis j'ai dit, il sera pas bon parce qu'il y a clairement. Tu vois la rondelle arrêter sur son patin en arrière. C'est un hockey play de base, mais ça. Oui, mais t'as pas le droit de pousser le gardien avec la rondelle dans le filet. Le règlement est assez simple là-dessus. Puis la rondelle était sur le gardien. Il n'y a pas de cross-checker le goaler. Non, mais il a poussé sa jambe bien. Parce qu'il dit. Mais t'as pas le droit. On sait même pas s'il n'a pas réussi à toucher à puck. Non, il n'a pas touché. Non, il n'a pas touché la. Ben non, t'en voyais bien. En tout cas, en Sportsnet, ils l'ont super bien montré. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est ces petits règlements-là qui sont en train de dénaturer le sport. Puis je trouve que ça va faire, là, maintenant. Puis, je sais pas les autres, qu'est-ce que vous en pensez. Vous êtes totalement quiet. J'imagine que vous pensez pas comme moi. C'est pas grave. Je suis prêt à me battre. Il touche aucunement la rondelle. Je vais le spécifier. On a gagné 5-0. En gros, je m'en calisse. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'était comme 3-0. C'est ça. Mais à TSN, ils l'ont vraiment bien expliqué quand à Sportsnet, je veux dire, quand je l'écoutais. Puis ils ont zoomé la rondelle sur son patin qui était immobile. Puis tu vois Byron pousser la jambière qui fait qu'elle rentre. Bon, moi je pense que c'était pas un bon but parce que ce genre de but-là, je veux pas qu'il soit accordé contre Price. Fait que je me disais, c'est pas un bon but, donne-les pas. Parce que mec, ça m'arrive à moi, je veux pas que ça m'arrive. Je veux qu'il refuse. Si Price aurait la jambière sur sa jambière, je veux pas qu'un joueur arrive et qu'il pousse sa jambière à Price et qu'il fait tomber à puck dans le but. T'as pas le droit de faire ça. Tu nuis à ton gardien le but, tu nuis à ton gardien face l'arrêt. Là, Howard était bien placé, la rondelle était là, il la voyait pas, là, c'est sûr qu'il la voyait pas. Il l'aurait peut-être même poussé dans son filet lui-même, parce qu'il était sur son patin, il faisait un mouvement, puis elle tombait. Mais l'effet que c'est le bâton de Byron que tu chies, je comprenais la décision de pas l'envoyer. Moi, Byron, je trouve qu'il est encore assez... Les autres équipes n'ont pas trouvé la façon de le contrer, genre... Il est fucking efficace, man. Encore une fois, hier, là, tu sais. Son but, il est efficace, but, là, il est rapide, là. Puis c'est pas juste ça, il est intense en plus. À un moment donné, c'est un jeu. Il s'est juste reviré, puis il a sacré un coup de bâton à l'autre joueur. Je me disais, Et puis il s'est reviré, puis il a fait une fâche. Je me disais, c'est un minus, mais il a pas peur de personne. Il a l'air d'un flow, là, c'est fou. Il anticipe. Hier, là, son échappé, là, il a anticipé la passe à la pointe, il est foncé sur le défenseur, là. Ça a été tellement rapide, ça a fait deux enjambées, tac-tac, passer la puck par-dessus lui, man, puis j'ai vu flyer, parce que là, quand j'ai vu le défenseur essayer d'aller le rattraper, je me suis dit, bonne chance, le gros. Oh, c'est fini. Je parlais avec un de mes chums, il y a une couple de jours, Rock, c'est son surnom, Jean, puis lui, il vient de l'Outaouais, puis il l'a vu jouer dans le temps qu'il était dans le junior majeur, Jean, puis il disait qu'on allait être surpris en crise. Que lui, il était pas surpris parce qu'il l'avait vu dominer, à quel point il était fucking bon, Jean, il était déjà extrêmement rapide à cette époque-là, mais il était très offensif aussi, puis tu sais, qu'il me disait qu'il avait quand même cette capacité-là, parce que l'année passée, rappelez-vous, il y avait beaucoup d'échappés, mais peu de buts, tu sais, il réussissait mal, on dirait qu'il arrivait trop vite, tu sais, on dirait qu'il... Il avait l'air de ne pas avoir de main, là, parce que selon les situations. Puis là, lui, il m'avait convaincu du contraire. Puis je pense que cette année, on est en train de voir que il n'y a peut-être pas les meilleures mains, mais il y a un bon hockey sense. Puis ça peut compenser en tabarnak. Genre. À date, il nous prouve, lui puis Dano, c'est des gars. Lui, Dano Mitchell, j'ai vu un tweet d'Arpan Basu qui disait que Byron Mitchell Dano avait 15 buts. Ouais. C'est autant que Taze, Kane pis Panarin, genre. C'est fou pareil, hein? Mais présentement, la production vient un peu de partout. C'est vraiment hallucinant. Hey, on va passer, les boys, on va switcher à la question OK sans limite. Je vais te laisser aller, Mike. Tu vas nous dire les pourcentages. On a eu quand même beaucoup de votes. Vraiment, c'est notre record à date, là. Puis là, il y en a qui vont ravaler le... Depuis qu'il a fait le sondage, il y a deux joueurs là-dedans. Il y a Pepe Charity qui a 4.2 matchs. Hey, laisse-la aller, OK? Il y a 3 points hier. ça change la donne, en tout cas. Vas-y, Mike. Bon, la question, je la lis textuellement. Quelle est votre plus grande déception dans ce début de saison drive du Canadien? Sur Twitter, on a eu 107 votes. Je vais donner les pourcentages puis ce que ça donne en votes.
Plekanec, 24%. Il y avait 26 votes. Pacioretty, 39%. 42. Moi, Pacioretty, personnellement, je crois que c'est que les attentes sont élevées. Fait que le pourcentage est plus haut à cause de ça. Chat, 21%. C'est 22 votes. Puis Desharnais, 16%. Pour 17 votes. Pas d'attente. Facebook, on a eu 37 votes. 30% Plekanec, 14% Pacioretty, 32% pour Desharnais. Puis 24% pour Chat. 32% Desharnais, c'est Desharnais ou Plekanec qui l'a gagné Desharnais, sur Facebook? Ouais. Pour le partisan moyen, puis c'est pas être méchant mais le partisan moyen, je vais vous dire tout de suite, je vous respecte tout, là. Je pense que ils mettent beaucoup d'emphase sur la production parce que Pacioretty, on a blâmé son côté leadership de capitaine l'année passée, mais énormément, on va se dire. Nous autres même, on l'a fait. Je pense qu'on a tous été clairs là-dessus. Ouais. L'année passée, il n'a pas fait la job. Mais cette année, le club est premier de la Ligue, 13-1. Et c'est le capitaine de ce club-là. Mais on dirait que le monde ne veut pas le reconnaître parce que là, il faut qu'il chiale sur lui. Il y a encore beaucoup de blâme qui se fait avec l'échange de Subban sur Pacioretty. Puis je crois que, tu sais, il y a 12 points en 15 matchs. Il est sur un pays de 60 points, ce qui est dans ses bonnes saisons, là. Puis on s'entend là, que ce gars-là peut te faire 10 buts dans les 15 prochains matchs. Là. C'est un genre de gars qui est capable de le faire, on le sait. Ouais, tout il est séquentiel. Tu sais, c'est ça. Je me dis, on devrait peut-être plus mettre l'emphase sur le côté. On a chialé sur son leadership, mais là, le club va bien. Mais là, le monde, il met ça sur Shaw, il met ça sur Weber. Mais la fin, il va juste sortir les statistiques individuelles pour. Après, on partira sur qu'est-ce qu'on veut. C'est Plekanec, 1 but, 4 passes, plus 1, 31 tirs. Aux mises au jeu, il est 48%. Puis il y a 2 points ces 10 derniers matchs. Pacioretty, 3 buts, 9 passes, plus 8, 40 tirs. Puis il y a 7 points ces 10 derniers matchs. Chat, 2 buts, 4 passes, 25 tirs, 60% aux mises au jeu, 5 points ces 10 derniers matchs. Puis dernier, 2 buts, 2 passes, plus 1, 12 tirs, 43% aux mises au jeu, 0 points à ces 10 derniers matchs. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que malgré, puis on s'est fait critiquer, là, on est capable de prendre la critique aussi, on s'est fait critiquer du fait de chercher de la merde en posant cette question-là, mais la popularité de la réponse de cette question-là fait juste dire à quel point, malgré le début de saison exceptionnel qu'on a, il y a encore une blessure à cicatriser. Puis Yannick en a parlé tantôt, puis on en a déjà parlé dans les autres shows. Puis c'est certain que c'est relié à l'échange de Subban. Puis parce que dans ce temps-là, l'année passée, rappelez-vous, on disait que le monde se polarisait dans deux clans, qui étaient soit le clan Pacioretty, soit le clan Subban. Ça fait qu'il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être aussi la responsabilité en tant que capitaine de la débâcle de la saison passée, ce qui n'est pas faux. Puis on ne peut pas quand même enlever toute part de responsabilité au nouveau capitaine de cette débâcle-là, même si on s'entend, c'est pas lui qui fait tous les chiffres de son équipe. Mais, non. Mais c'est compréhensible. Mais ça me prouve, le nombre de répondants, ça me prouve qu'il y a encore un petit peu, il reste une blessure qui n'est pas totalement scellée. Je pense que Weber fait beaucoup pour faire sa part, mais le monde, ils ont mal pareil. T'sais, ils ont mal pareil, puis ça. Il faut que tu trouves un responsable dans ce temps-là. Ouais, je sais, mais trouver un responsable quand le club est 13-1, j'ai de la misère avec ça. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Parce que pour moi, l'important, l'année passée, t'sais, je l'ai déjà dit au show, l'année passée, combien de matchs qu'on a dominé, puis qu'on disait, tu me disais, Élie, puis tu me le répétais à toutes les fois, parce qu'on a perdu beaucoup de matchs en décembre et janvier. Ouais, mais on s'en calisse du nombre de lancers qu'on a fait. On ne sort pas avec le 2 points à la fin. Là, je te disais, ouais, mais on a dominé, on a joué un bon match, ça fait chier qu'on ne l'ait pas gagné, mais là, il nous arrive l'inverse, on gagne, mais faut trouver un bouc émissaire pour aucune raison, parce qu'on s'entend, présentement, la production est partout. Vraiment ça, partout, là. Tu sais, on s'entend, là, tout le monde. C'est la mentalité populaire du monde du Québec. Excusez le terme, là, mais ça, c'est la mentalité de petit peuple du Québec. Ouais. Quand il y a quelque chose qui a du succès, il faut qu'on réussisse à le planter parce que nous autres, on est jaloux. Ben, tabarnak, c'est exactement ça qui arrive, là. Là, ça va super. Ben, puis là, je vise pas ta question, Mike, là. Tu sais, dans le fond, je comprends. Je comprends très bien le but, puis en bout de ligne, il faut qu'on se le demande. Sauf que c'est exactement ça, là, en bout de ligne, là. Tu sais, tu vois, là, la gang de, excusez le terme, là, la gang de TVA qui cherche les poux souvent, puis des fois, la gang de l'antichambre, ben, écoute, des fois, souvent encore, qui pile souvent tout le temps quasiment sur Plekanec. À un moment donné, là, ça devient tannant. Tu te dis, calé, qu'on est 13-1, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? En même temps, on se dit, le négatif va attirer le public.
Tu sais, on s'entend là-dessus. Ben, c'est ça, c'est justement ça, la mentalité de petit peuple. Oh, ouais, c'est ça, mais. À un moment donné, le négatif attire. Ben, calique, tu dis, t'as, à un moment donné, c'est du monde qui vont pas bien, là. On aurait tellement toutes les. Présentement, là, tu sais, il y a Pop sur le chat, il dit le bobo cicatrise vite, Ellie, il dit crois à moi. Présentement, ce qui se passe, on devrait tellement capoter sur cette équipe-là, là. Parce que la production, les autres années, on se disait, bon, il y a un Gattrude Pacioretty qui scorait. L'année qu'on avait fini 27e de la Ligue, il y avait un Gattrude Pacioretty qui avait fini 60 points, les autres, ça avait mal été. Il y a toujours eu un ou deux trios qui produisaient, puis les restes, on chialait. L'harceleur, blablabla, blablabla. Là, cette année, notre production est quand même assez équilibrée. Il y a Plekanec qui fait sa job défensivement présentement. Ben oui. Puis les trois autres réussissent à marquer des buts. Fait que j'ai la misère à trouver pourquoi qu'on chiale au lieu de... Pourquoi qu'on ne pourrait pas juste s'asseoir et dire... Ah, waouh, ça fait tellement de bien après la saison de misère qu'on vient d'avoir, là. Ben, ouais. C'est parce que je pense aussi qu'il y a une grosse responsabilité de ça aussi face au début de saison de l'année passée, qui est exceptionnel aussi. Rappelez-vous, tu sais. C'est un début exceptionnel. Moi, je l'ai dit, ça ne se compare pas l'année passée. Non, mais peut-être que le monde préfère chercher des solutions tout de suite. Moi, je suis le premier à faire ça, vous le savez. Quelle vous solution? Me dites que je suis un solution, c'est pour régler un problème. Mais quel problème qu'on a? La troisième attaque de la Ligue, on a la meilleure défensive de la Ligue. On va avoir moins de problèmes que ça. À un moment donné, on va avoir des disettes. Puis là, oui, là, c'est ça, on a retombé là-dessus. Si ton bottom six, production, là, ça va te faire chier. Ça va faire chier beaucoup de monde. Oui, mais il fait sa job, puis c'est un vétéran. Oui, je peux dire qu'il n'y a pas sa job, parce qu'on a besoin de plus. Mais l'affaire, c'est essayons de trouver des solutions pour le relancer tout de suite, pendant que le bottom six marche bien. C'est vrai qu'imagine, si il venait qu'à commencer à marquer, comme il est capable, puis ça va arriver, là. Mais c'est juste que là, ça se fait attendre. Imagine s'il marquait en plus de la production des autres, en plus que les autres vont. Ouais, mais là, ça serait ça. Là, on aurait 4 buts par match, puis on se dirait, ouais, mais ça n'a pas d'allure, on restera pas là, tu sais. C'est comme si ça serait hors norme. Là, présentement, on marque 3,4 buts par match, on est 3e de la ligue. Fait que, tu sais, je me dis. Pense que Wingster, il a la phrase qui tue, là, puis qui résume bien. Il dit, il y a juste une chose qui va faire ma gueule des chialeux, c'est une coupe Stanley. Oui, c'est vrai. Il y a un bon c'est vrai. On est rendu là, là. J'ai publié. C'est pas mal ça. Ici, tu es à Montréal, puis il y en a bien des ex-fans des Nordiques qui ne font que détester le Canadien. Je pense qu'il y a une surexposition aussi. Le Canadien, hier, a battu un record, on va se dire. Là, ça a été dit un peu partout de la Ligue nationale, de son histoire, pardon. La dernière fois que le Canadien avait commencé l'année 9-0, c'était en 1953-54. L'équipe marquait 3,55 buts par match. À domicile, on parle ici. Là, et en donnait 1,33. Cette saison-là, en 1953-54, le Canadien a perdu en finale la Coupe Stanley. Moi, personnellement, si tu me donnes une finale à la Coupe Stanley cette année, là, ben, je vais être heureux en tabarnak. Non, si Price se rend là, rendu là, tu vas avoir le cœur brisé, mais arrête. Ben oui, ben c'est normal, regarde. Mais si on le fait, parce que Hockey Sans Limite va être là pour la finale, inquiétez-vous pas. Puis si on gagne la Coupe Stanley, je vous garantis que l'équipe de Hockey Sans Limite au complet, on va être en parade. Même moi, je vous le dis tout de suite. Oui, puis même moi, je vais porter sérieusement un chandail, ça va être marqué Vive Michel Therrien dessus. Je suis très sérieux. Ouais, hey, ça serait... Même moi, je pense que c'est pas avec toi. J'aime pas Therrien, là. Vas-y, Mike. Et puis toi, tu vas être avec ton gelet de dernier. Hein? Oui, parce que j'ai toujours dit qu'on la gagnerait pas avec Dernier. Fait que, tu sais, ça serait dingue. Hey, mais les gars, je vois des discussions de t-shirts sur le chat. Y a-tu vraiment des fans qui seraient intéressés à qu'on fasse des t-shirts? Parce qu'on a vu, puis on a commencé à regarder des affaires. Puis on pourrait peut-être le faire. Ça dépend de la demande, c'est certain. Mais si vous êtes intéressé à avoir des t-shirts, on pourrait sérieusement commencer à penser à en faire. Yannick voulait faire des chandails de hockey, ça c'est peut-être une coche de plus, petits t-shirts à 20$, là, je ne sais pas si ça vous tenterait. Si ça vous tente, c'est certain, parlez-en sur le chat. Puis sinon, ben écoute, fuck you. Ben, Sylvain, il dit que oui. Yann Pelletier, mon chum, il dit oui. Pops, il dit oui. J'ai un autre gars ici, Martin Gagnon, que tu connais aussi, Mike. Lui aussi, il y en aurait un.
Guillaume qui dit non, dis-moi, je pense pas, je vais être au défilé. On s'en doute un peu, Guillaume, on s'en doute un peu, là. Malgré que je suis persuadé que tu vas aller te cacher dans un coin en arrière. Non, non, Guillaume comme... est au pub, au pub irlandais à pleurer avec les autres fans des Blues. Ben là, il a gagné en 2011, là. Il peut pas vraiment, il pourra pas vraiment chialer là-dessus. Il a gagné il y a 5 ans. On peut pas vraiment s'écœurer là-dessus non plus, là. Non, non, c'est ça, tu sais. Je pense que Mané, ça va dépasser ce stade-là, là, tu sais. Vu qu'ils l'ont gagné récemment, si les Blues l'auraient pas depuis 50 ans, là, ça serait différent, là, mais on s'entend que l'effet qu'ils n'ont une, avec un gros hockey sans limite dans le centre, c'est à peu près ça qu'on s'enligne, là, avec un gros logo de hockey sans limite podcast, avec en dessous marqué le site internet hockeysanslimite.ca, ben normal, des noirs et des blancs, moi j'en veux un noir parce que moi j'ai une bedaine, puis tu sais, les noirs, ça l'amincit, la silhouette. bon, hey, ouais, pour revenir à la question, parce que là, on a débordé complètement. Comme vous nous connaissez, vous savez qu'on est pas mal de même. Vous autres, c'est qui votre déception? Je veux l'entendre. Élie, c'est qui ta déception dans ces quatre choix-là? Ben, c'est certain qu'à l'époque, c'est bizarre, ça fait juste même pas quelques jours, je pense que c'était Pacioretty. Puis c'était une déception, pas une déception franche, mais une déception, j'avais, surtout, c'était de la crainte, je pense. J'avais peur que la pression soit trop lourde, tu sais, pour un compteur d'avoir le C sur le chandail. Mais j'aime son attitude dernièrement. Au dernier match, en fait, ça reste à prouver, mais c'est certain que lui et Plekanec, c'est des vétérans qui sont importants dans le groupe de ces joueurs-là. Tu veux qu'ils se réveillent au plus vite parce que ça fait partie de la solution du Canadien. Tu fais quand Plekanec est... J'haïs le mot solution! Maturity. Mais tu sais, c'est vraiment... Il aurait dû avoir une autre réponse à cette question-là, un autre choix, en fait, c'est-à-dire aucune de ces réponses. Puis c'est plate parce qu'il y avait juste quatre choix. La prochaine fois, je vais y penser, là, on va y penser, puis... On va s'adapter en conséquence. Guillaume sur le chat. J'ai voté Pacioretty. Si, c'est ça, je te l'avoue. Avant d'aller avec la prochaine, Guillaume sur le chat, il dit non, je ne serai pas à parade, je vais faire pire, je vais aller déguiser Maurice Richard en Bruins le soir du gay. ça, c'est la profanation de Maurice Richard. Terroriste. Aïe. Si tu fais ça, Guillaume, tu passes à la première page du Journal de Montréal. Un fan a déguisé Maurice Richard. Garantie, tu fais la première page de toutes les places. Ça serait incroyable. Ouais, c'est ça. Timing, on gagne la drôle. Maurice, il se ramasse avec le jersey. Bon, on va remarquer le show du 13 novembre 2016. S'il arrive de quoi, la police va nous demander les écoutes. On va savoir dès que ça vient, d'accord. On a des preuves. On est déjà sur écoute. Ouais, c'est ça. Ouais, on parle de politique, puis ça coupe d'habitude. Ouais, c'est vrai. Hein? D'ailleurs, la seule fois qu'on n'en parle plus jamais ici. Non, ça va sûrement arriver par le même fait, parce qu'ici, on n'a pas de censure, on l'a déjà dit. Si le gouvernement veut nous censurer, là, ben, ça ne viendra pas de nous autres. Anyways. Hey, je vais juste... Guillaume, qui en 2011, il l'avait déjà fait. Salaud. Esti, faites des captures d'écran, boy, c'est tout de suite. Bon, on va y aller, Daniel. Je vais finir avec Mike, vu que c'est lui qui a posé la question. C'est qui, toi, ta déception dans les quatre choix que Mike nous a donnés? Moi, c'était pas compliqué, là, sauf que en même temps, j'ai voté. J'ai fait un drôle de vote, moi, sérieusement. Là, pas parce que je m'attendais à grand chose de lui, mais c'est plus que Carly qui est encore là, dernier. Dernier, je m'attendais pas à la lune de lui. Sauf que moi, ce que je suis déçu, c'est qu'il y a encore eu des opportunités qui, tant qu'à moi, ne devraient plus avoir. Puis, il n'a effectivement pas répondu. Là, c'est le fun, là, parce que là, bon, OK, il a rembarqué dans l'alignement parce que Flynn n'était plus là. Il n'a pas fait grand-chose, puis c'est comme je m'en attendais. Mais le match de 20 était coupé, fait que c'était correct. Moi, j'ai voté avant qu'il soit coupé. Quand il était scratché, là, moi, j'étais « Ah, ben, tabarnak, c'est-tu possible? » Fait que là, je me disais « là, c'est correct. » Dans le fond, comme j'ai dit, c'est pas tant que je m'attendais à ce qu'il marque plus, mais c'est plus le fait qu'il était encore dans l'alignement, puis que, regarde... Tu sais, hier, il aurait dû sortir enragé, mais non, encore la même affaire. Ouais. C'est on va noter que hier, il avait joué 7 minutes avant la troisième, c'est en troisième qu'il a joué un peu plus. Il a fini avec 11 minutes, je pense, de temps de jeu. Ouais, avec le score, il a équilibré pas mal, Terry. L'effet qu'il jouait à soir aussi, là, tu ne veux pas. Puis si on regarde ses stats, là, dans toutes ses stats, là, okay, là, il a joué 10 minutes, il a des zéros partout. 0-0-0-0-0. Il y a un moins, Ali. Il est 0 en 3 dans les mises en jeu. Écoute, tu peux pas avoir plus de 0, là. Toi, Mike, c'était qui? Ben moi, je peux pas mettre Desharnais parce que Desharnais, je m'attendais à être déçu, fait que je peux pas vraiment... T'étais pas surpris. Non, c'est ça, il y a aucune surprise.
Ça, je trouve que depuis quelques matchs, ça va beaucoup mieux. Yann a parlé peut-être des problèmes personnels, j'y croyais. C'est... Aussi le fait qu'il s'était fait suspendre, peut-être que slaquait la pédale un petit peu. Ça l'a peut-être nu un petit peu aussi. Paturity, plus rien à dire. Pour vrai, depuis 3-4 matchs, je trouve que l'intensité est là et est constante. Tandis qu'avant, c'est ça que je reprochais. Moi, les points, je m'en foutais, mais l'intensité n'était pas constante. Plekanec, ça va prendre sa contribution offensive. Il est écœurant en défensive. Présentement, là, il doit être un des 5 meilleurs pour neutraliser les trios. Là, c'est débile ce qu'il fait. Mais ça prend la contribution. Au salaire qu'il y a, puis je sais qu'il ne faut pas tout le temps penser au salaire. C'est juste que ce salaire-là nous servira à avoir un gars d'impact offensivement. Je vais nommer les statistiques à ceux-là qui sont sur le chat. Là, hier à Sportsnet, le trio de Plekanec, quand il est sur la glace, c'est le trio qui alloue le moins de lancers à l'adversaire. Ça veut dire que les 45 lancers que tu alloues par match, là, qu'on a alloué les 40 lancers dans les 5 matchs avant les deux derniers, là, ben dites-vous que quand ce trio-là était sur la glace, c'est là qu'on en donnait le moins. Fait que, tu sais, faut voir la part des choses. Moi, je suis d'accord que, oui, à 6 millions, tu dois peut-être en donner plus, mais je pourrais vous sortir des comparables de joueurs, là, présentement dans la Ligue nationale qui n'arrachent, là. J'ai fait un tableau ici, là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des statistiques de joueurs qui en arrachent cette année, là. Vous allez voir que c'est loin d'être pire à Montréal. Jamie Benn, 9 points, moins 6. Patrice Bergeron, 4 points, il est à 0. David Krejci a 5 points, il est moins 7. Nathan MacKinnon a 7 points, il est moins 4. Niklas Backstrom, 9 points, moins 1. Andrew Ladd, 2 points. Logan Couture, 7 points. Louis Eriksson, 5 points. Philip Forsberg, aucun but, 8 passes, moins 1. Kopitar, 7 points. Hier. Ouais, il a marqué hier, ça c'était avant le match d'hier. Kopitar a 7 points, il est plus 1, il gagne 10 millions par année. 10 millions! Ouais. Écoute, là, fait que, tu sais, là, faut arrêter. C'est des déceptions, tu sais, c'est des déceptions. C'est ça, mais c'est des déceptions, on parle de 15 matchs. C'est pour ça que je t'ai dit, là. Oh oui, non, c'est sûr, là, on dévalue 15 matchs, là. Tu sais, là, faut. Bon, moi, c'est pour ça que je dis. Non, moi, avoir rien à dire, c'est impossible. Non, ça, c'est vrai. Mais, tu sais, moi, c'est ça qui me tue, c'est que présentement, on s'en fout de qui peut venir la production. Le club. Non, mais c'est une question. Oui, c'est vrai que la question est stretchée. OK, si Danou, il y aurait 4 points, on dirait, bon, c'est un deuxième centre. Mais Plekanec en aurait 15, on serait comme, bon, ben au moins, il produit cette année. Mais il y en a un qui paierait pour l'autre. Mais on n'a pas assez parlé de Danou, là. Puis, je sais pas si on peut se permettre d'en parler pendant un petit 2 minutes. Ouais, mais vas-y. Danou, là, moi, sérieusement, je m'attendais à qu'il soit très bon comme quatrième, comme sur une quatrième ligne. Puis là, on est en train de le considérer comme un bon troisième centre. Ça me surprend vraiment beaucoup de sa progression. Peut-être qu'il joue au-dessus de sa tête. Ton coup de patin. Mais c'est vrai que côté... Puis ça fait pas... Ça, c'est très, très Michel Therrien. Hein. C'est ce qui coupe la glace à Dernais présentement. C'est le fait qu'il soit responsable défensivement. Ben oui. Puis qu'il soit capable. Puis en fait, il n'est pas capable. C'est temps-ci, il est en crise de feu. Là. Il est en feu. Même les shots qu'il rate, il rate de peu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il monte sur l'aile, il décoche des shots très, très haut du côté, soit du côté gauche, soit du côté droit. Il manque de très peu. Là. C'est des shots difficiles à avoir. Est-ce que le gars a le talent pour être là à long terme? Je ne le sais pas. Mais pour l'instant, c'est vraiment bon de voir sa progression. Puis pour le futur, comme on l'a dit, Dernier ne sera pas là dans quelques années. Peut-être même l'année prochaine. Ça fait qu'il faut préparer le kid à prendre ces minutes-là. Puis, à date, il fait le job. Tu sais, il n'a pas des skills en haut de la moyenne, mais c'est un gars qui a une lecture de jeu en haut de la moyenne. C'est ça qui l'aide beaucoup, autant défensivement qu'offensivement. Il est tout le temps bien placé. C'est vraiment sa force, je trouve. Puis son coup de patin, comme Dan a dit. C'est très stretché, qu'est-ce que je veux dire, le comparatif. Là. Mais ça me rappelait un peu Guy Carbonneau. Vous allez me dire, aïe, aïe, là, tu capotes, ouais, le gars, c'est pas une chance. Mais dans le style de polyvalence... Moi, je pense qu'il y a le plus de asset offensif. Oh, oui, je l'avais comparé avec Rhys Higgins. Hein. Hey, le top corner... Non, mais c'est la passe de Radulov, le top corner qu'il a fait, ça te prend des mains pour faire un top corner. Ça prend un shot. Je l'avais comparé avec Rhys Higgins, moi, puis je repense à ça, puis regarde. Rhys Higgins, on ne l'a jamais essayé au centre, on voulait en faire un allié, mais Higgins, là, c'était carrément ça. Le patinait bien, il était intense... Écoute, super bon toué, il avait un très bon tir. Ben, regarde Dano actuellement, là, c'est ça qui monte. Là. Sauf qu'il joue au centre en plus, puis il joue bien au centre en face-off. Parce que, tu sais, on a beaucoup parlé de McCarron, troisième centre, on a voulu parler de Hudon, mais présentement, je crois que Dano est à sa place, mais as-tu le potentiel de devenir un deuxième centre de 45 points dans la ligue?
ça, ça reste à voir. Mais moi, moi personnellement, je le voyais comme troisième centre. Moi aussi, au-delà de McCarron, parce que McCarron, moi, je le vois à l'aile. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est un Dano, mais mettons que t'as un Dano au centre du troisième trio avec un McCarron à côté de lui puis un chat. Ça a de l'allure, ça. Mais ça, mais je dis ça de même. Mais côté potentiel, là, présentement, Dano, si je me trompe pas, il a 9 points hier. Il a fait 2 points, 1 point hier. 2 points hier encore. Il est rendu quoi? Il est rendu à... Il a 9 points. 9 points, 5 buts, 4 passes. 9 points. 9 points plus 6. Présentement, il... 9 points en 15 matchs. Toi, imagine-toi Andrew Shaw avec un McCarron à côté de lui. Là. Il vient de prendre 3 pouces, lui-là. Là. Il va être... Il y en a déjà pas besoin. C'est déjà... Et en plus, McCarron... J'adore ça avec Shaw et Pacioretty. Je trouve que ça amène tellement une dimension ouais. qui est belle. Ouais. Pour tu sais, on parle beaucoup de duo, mais je pense que ce trio-là, c'est vraiment un trio. T'as un Pacioretty qui peut scorer un peu n'importe où. T'as un Dano qui a une vitesse incroyable parce que on va le dire, c'est un des plus rapides du Canadien, vraiment, là, avec Mitchell. Puis on va le dire Byron, parce que Byron, on s'entend que lui... Lui, il est en classe à part. C'est ça. Là, c'est tellement extraterrestre à la force des fois. Là, ça se demandait de où qu'il sort de ça. Là, il paye 120 livres. Ouais, c'est sûr. Pas 120, mais en tout cas, je sais ce que tu veux dire. Ouais. Là, il est tout petit. mais j'aime la dimension de ce trio-là. T'as Shaw qui va aller dans un coin. T'as un Pacioretty qui va jouer plus en périphérie. T'as un Dano qui fait des pingouins en série. Avec ouais. Kessel qui est comme le Pacioretty, Bonino voilà. qui est le Dano. Exactement, Haglin. Vraiment, t'as tombé dans le mille. Vraiment dans le mille. Je voyais, j'y ai pensé cette semaine. J'ai dit, ça me fait penser à ce trio-là. À cause du salaire de Kessel. Puis, ça reste à voir. Ouais, on s'entend. Ça veut dire non, c'est ça? Moi, je crois que champion, il est court. Puis Dano, il n'y a pas beaucoup d'expérience dans la ligue. Fait, ça reste à voir. Il n'y a pas l'expérience d'un Bonino, par exemple. Faut pas qu'on y en demande trop. Parce qu'après ça. Faut pas qu'on pense que ça, c'est son 100%, puis qu'on soit déçu qu'il fasse moins que ça. Je pense que lui-même... Moi, je pense qu'il joue à 120, là. Moi, je pense qu'il était... Moi, je pense qu'il peut être encore meilleur. Moi, je pense qu'il y a... Ouais. Non, alors, ce qu'il y a, je suis persuadé. Ce gars-là, c'est une machine d'entraînement, puis c'est un gars qui veut toujours essayer de s'améliorer. Puis je pense que malgré son début de saison, il est pas satisfait encore. Puis c'est ce genre d'athlète-là que même si la production est là ou qu'il joue bien, il va toujours en vouloir plus. Bon, ben, je suis bon là-dedans, mais bon, ben, faut que j'améliore mes poignets. Faut que j'améliore mon jeu dans les coins de patinoire. Il va toujours chercher la petite affaire, la petite faille qui va faire de lui un meilleur joueur. C'est un genre de Québécois-là. C'est un gars avec un grand cœur. Tu sais, on va se le dire, là, c'est un Desharnais avec 10 fois son talent. Là. Tu sais, c'est plate à dire. Oui, il n'y a pas le côté passeur de Desharnais, mais il y a tout le reste que Desharnais n'a pas. C'est carrément ça, la mise en jeu, il est extrêmement solide. Ah non, hier j'ai posté un tweet d'un nain lutteur qui se faisait crisser dehors du ring, hein, puis je pense que ça dit tout, même qu'est-ce qui se passe avec Desharnais. C'est la nature, là, c'est comment dire, c'est le cycle de la vie. Il est rendu là, il y a un plus jeune, a pris sa place, puis je pense sincèrement qu'il est correct avec ça. Je pense qu'il est conscient, c'est quelqu'un d'assez extrêmement intelligent. Correct. Tu penses qu'il est correct avec ça? Moi, son langage verbal, Benoît, n'a pas de chat. Tout joueur de hockey n'est pas heureux de ça. Je pense juste qu'il est assez intelligent pour comprendre qu'il est rendu là. Puis regarde, j'espère qu'il va peut-être avoir une excellente carrière dans une équipe d'expansion. J'espère. Moi, je pense qu'il va se ramasser à Las Vegas, mais j'espère. D'après moi, il se ramasse en Europe. J'espère parce que lui, il joue aux Ligues nationales. Parce que sérieusement, je crois qu'il a le talent d'être un troisième centre quelque part dans la ligue pour une équipe qui va commencer. Je pense qu'une équipe comme Las Vegas va avoir besoin de buts. Puis je pense que ce gars-là, avec sa vision, peut encore apporter quoi. Avec sa grandeur, il n'y a pas un coup de patin exceptionnel. Mais le cœur est là. Ouais, je sais, mais le cœur est là. Je peux pas croire. Mike, la mode est à vitesse. La ligue va ratisser tranquillement. Ça fait que peut-être qu'il va réussir à s'acheter 2-3 ans de plus à cause de ce mode-là pour l'instant. C'est pas ça, là. Je trouve qu'il n'y a pas un coup de patin extraordinaire. Non. Mais... Non? Toute sa game est régulière, puis c'est un passeur hors pair. Mais il y a une bonne anticipation, puis tu sais, il faut qu'on y donne. Là. À part hier, sérieusement, il y avait vraiment l'air. Hier, les trois derniers matchs, là, il a joué 10 minutes par match, les trois derniers matchs avant, là, on va s'entendre, là, c'est pas pour rien qu'il était benché, là, ça allait vraiment pas mal. Mais moi, je vais couper ce dernier un petit peu. Je vais vous amener sur un autre joueur qu'on parle pas. Qu'on n'entend pas vraiment parler non plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec, mais on dirait qu'il y a quelque Gallagher. Chose qui ne marche plus. Ouais. Il y a 2 points dans ses 8 derniers matchs. Il n'y en a aucun dans ses 5 derniers. Ouais, il joue en moyenne 14-15 minutes par game. Les mauvais soirs vont dire qu'il joue avec Péganic.
Écoute, c'est malheureusement ça à quoi j'ai pensé. Tu le vois, il fonce au filet, mais on dirait qu'il n'a pas même énergie. Embarque pas là-dedans, Gallagher, il a une straight game. Il joue d'une manière. Puis là, présentement, il joue avec Pécanec qui affronte les gros trios adverses, ce qui veut dire qu'il affronte des gros ailiers en avant. Ah non, t'as-tu peu. Tu dis, embarque pas là-dedans. J'ai pas le choix, à quelque part, de me dire, écoute, côté statistique, il a marqué en début de saison, puis ça allait bien, puis à un moment donné, whoop, il a arrêté de marquer. Affronter les gros trios adverses, un gars de 5 pieds 9, même si c'est un style à la Gallagher, c'est pas pareil que d'avoir la liberté de jouer avec Galchenyuk qui affronte des 2-3e trios puis des 2-3e paires. C'est différent. Moi, je regarde Gallagher puis il y a la même game. Seulement qu'il est plus concentré sur sa défensive. L'année passée, il jouait avec Plekanec, Pacioretty, une bonne partie de l'année, puis il produisait. Ouais. Il produisait quasiment un point par game. On s'entend-tu? Il jouait avec Pacioretty à côté de lui. Là, t'as Daniel Carr qui jouait là. C'est pas là, tu sais, là. Faut voir ça comme ça, là. Puis c'est pas vrai, Gallagher. Ben, on le voit moins aussi. C'est Sylvain qui dit faut pas dire que c'est mécanique parce qu'il est pas capable d'alimenter ses ailiers. Gallagher a pas besoin d'être alimenté. Il a jamais eu besoin d'être alimenté. Il va en avant du net puis il prend les retours. C'est juste que présentement, ce trio-là est en mission défensive parce que l'attaque vient un peu de partout. Mais ben, c'est plate de mettre Gallagher en mission défensive quand ça a jamais été un joueur défensif, tu sais. Oh, je sais, mais tu veux l'envoyer où? C'est bizarre, tu sais. Ouais, moi, personnellement, j'essaierais Dano avec Shaw, puis j'essaierais Dano avec Gallagher puis Pacioretty. Moi, c'est ce que j'essaierais. Puis j'envoyerais Shaw avec Plekanec pour faire le travail défensif avec Carr. Moi, c'est ce que je ferais. Ouais. J'avais vu hier puis je me disais, pourquoi qu'il essaie pas avec Dano et Pacioretty? Il y avait une chimie entre ces deux-là. Moi, j'essaierais vraiment Dano au centre de Pacioretty et Gallagher. Ouais, bon, j'envoyerais Shaw pour jouer Plekanec, là, je vais l'accepter, moi, qu'il joue défensivement, même à 6 millions. Moi, je pense que s'il est échangé, ça va être l'année prochaine. Je pense qu'il fait partie du noyau de vétérans. Puis je pense que présentement, l'esprit d'équipe est tellement bon. Shaw, il est meilleur défensivement. Oui, plus, exactement. Puis c'est un gars qui est physique. C'est un grinder, c'est un vrai grinder. C'est pas fou. C'est pour ça que je trouve ça plate, on dirait que je trouve ça quasiment ingrat, moi. Fais gaffe, c'est pas juste des conneries, hein, tu sais. Non, je sais. Des fois, j'ai des idées de génie. Des fois, j'ai des idées. Parce que là, vous m'avez mené là-dessus, puis hier, j'ai pensé pendant que j'écoutais le match, j'ai vu Gallagher, j'ai dit, Chris, il fait pas grand-chose, pourquoi qu'il essaie pas avec Dano? Ben, c'est ça, moi, je me disais, calé, qu'il est perdu, Gallagher, on dirait qu'il a plus ses repères, pas en tout, mais là, je le checkais, je me disais, justement, c'est pas un joueur défensif, pas en tout, Gallagher, c'est un joueur offensif. Fait que là, je me disais, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Mais c'est comment ça qu'il est là? C'est pour ça, là, à un moment donné, je me disais, t'as peur, là, il y a quatre choses qui marchent pas, puis il joue sérieusement, là, je checkais sa moyenne de temps de jeu, puis il joue entre 14 et 15 minutes par game depuis les 10 derniers matchs, là. Je me dis, c'est pas assez, il mérite plus que ça, là. Tu sais, Gallagher, il est capable de produire, justement, quand il y a du temps. Fait que là, il y a quatre choses qui marchent pas, là. Mais là, en plus, ça va bien être Dano, Pacioretty, Shaw. Fait qu'on tosse-tu vraiment regarde, c'est l'exemple parfait de notre question de la semaine. Gallagher produit pas présentement, mais personne n'en parle parce qu'il y a un style de jeu qui fait comme ça. Mais tout le monde aime Gallagher. C'est ça, exactement. C'est peut-être pour ça que lui aurait dû avoir le C, parce que Gallagher, même quand il produit pas, son intensité au jeu fait qu'il est quasiment irréprochable. Deux secondes. Ouais, si tu me laisserais deux secondes, parce que j'ai fait une petite chronique ailleurs. C'est ça, je m'enlignais pour ta chronique, parce qu'il faut faire l'avant-match après, là, il reste 13 minutes. Ben oui, c'est ça, tu sais, on va essayer d'avoir plus de chroniques, là, regarde, c'est une émission écourtée d'une heure, vous le savez, d'habitude, c'est au moins une heure et demie, parce qu'on a des calices de grandeur, puis on n'est jamais capable de la faire. Puis on fait jamais une heure et demie. C'est ça, on n'est jamais capable, ça fait que là, on est obligé de faire une heure, c'est que je vais vous faire une petite chronique ailleurs, ailleurs sur le web. En fait, c'est des articles qui m'ont retenu l'œil à lire cette semaine ou aujourd'hui. Je vais commencer en fait par l'article de Kevin Malenfant de DLC qui est toujours très intéressant, qui dit 15 infos à lire sur le Canadien contre les Blackhawks. C'est très intéressant à lire juste avant le début du match. Kevin Malenfant fait toujours un extrêmement bel job d'aller rechercher les tweets puis d'aller chercher des petites affaires qui sont intéressantes à savoir juste avant les match-ups. Puis ça, puis en plus, c'est sur un média qui n'est pas considéré comme un vrai. Ça fait que on aime ça le souligner. Mais d'autres articles que j'aimerais aussi... Statistique pour parler des Blackhawks, ça fait 15 ans qu'on n'a pas gagné à Chicago. Ben non, 2012. Ben, on n'a jamais gagné depuis 2012, moi j'ai lu. Là-bas. Non, ça fait 15 ans. À Chicago, ça fait 15 ans. Ah, ouais. À Chicago, là. Parce qu'on n'a pas gagné tout court depuis 2012. Non, à Chicago. Hey, fuck that. Ouais, mais tout ça, c'est ça. Fait que, allez voir ça, allez voir sur DLC. Je vais peut-être ajouter les liens sur mon Twitter un peu plus tard après l'émission. D'autres affaires, ben sur notre site web à nous autres,
Il y a toujours les articles de Samuel Villard-Toupin qui fait des articles quasiment quotidiennement. Le kid est vraiment bon. Ses articles sont toujours quasiment flawless. Il n'y a quasiment rien à corriger, me dit l'éditeur. Il fait une très, très bonne job. Il résume les matchs de la veille. C'est un pro, mais pas payé. Ça fait qu'aller le voir, ça paye, c'est vos vues. Hein. C'est comme nous autres, c'est des clics. Ça fait qu'aller voir... qu'est-ce que Samuel Villard-Toupin écrit? Il avait écrit donc les trois derniers articles, je pense, c'était nouveau record, le King à domicile, Terrien gagne son pari, je pense que c'était de lui aussi. Le kid est vraiment bon, puis il est vraiment dédié. Là, il nous écrit un article quasiment chaque jour. Ça fait que profitez-en pour aller le voir. Un autre qui est sur notre site, nous autres, hockeysanslimite.ca, c'est l'article qui a été traduit de J.D. Lagrange, qui parle de la citation de Price Chill Out. Quel grand article, encore une excellent, fois. Excellent article. J.D. qui va être avec nous la semaine prochaine, qui est extrêmement bon pour bien résumer des choses. En fait, je pourrais vous lire juste le début de sa prémisse d'article. Il dit, il vient un temps dans la vie où chacun... Il vient un temps dans la vie de chacun où l'on regarde en arrière et on retrouve des moments décisifs auxquels on peut se référer comme étant des points tournants. Puis il fait l'analyse du moment où ce que Price avait dit chill out aux journalistes dans le début de sa carrière. Ouais. Puis aux fans qui le huilent. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment un bel article. On va essayer de traduire plus d'articles de abstérix.com, qui est le site anglophone où J.D. Lagrange fait ses articles. C'est très connu du chez les anglophones, puis les francophones qui en lisent. Puis là, c'est quoi qu'il me dit, là? OK, je sais pas trop. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un pop-up, là. Je peux pas le lire. Je peux pas le lire, Yannick! Non, c'est pas à toi, j'ai envoyé ça, c'est à Dan. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, deux autres articles. L'article Citron de la semaine, l'article de Pierre Durocher dans le Journal du Montréal qui relate les propos de Lafleur. Ce n'est plus un one-man show. Ça va faire, là. Hein? On le sait, c'est quoi tu veux dire, M. Lafleur? On le sait, qu'est-ce que tu veux dire, M. Durocher? C'est assez. On a assez entendu. Je pense qu'on a assez tapé sur le clou. On passe à un autre appel. Lafleur a beau être franc, ça ne veut pas dire qu'il faut dire tout le temps qu'est-ce qu'il dit, tu sais. Je veux dire, en tout cas. Patrick Huard avait de belles phrases pour décrire ce que Lafleur devrait faire. Ferme ta gueule. Ouais. Lafleur, c'est un idole, puis c'est un grand joueur pour nous. La seule affaire, c'est qu'il y a ses opinions. C'est pas nécessaire de les écrire. Moi, j'en veux plus à Pierre Durocher de revenir avec ça. Il veut taper sur le clou, veut aller chercher des views. C'est pas nécessaire. Écoute, je pense qu'on est ailleurs. Là, ça va mieux un peu pour les Prédateurs ces temps-ci. On le souhaite que du bonheur. Nous autres, on est très satisfait qu'est-ce qu'on a. Ça donne à rien de crier puis de pointer du doigt. Puis dans le même article, il dit « Ah, moi, j'en veux pas à Subban, tu sais. Arrête. C'est tout. Bon. » Puis bon. Puis un autre article, c'est l'article orange, mettons si on peut dire, l'article de Mathieu Boulay du Journal de Montréal, La Nouvelle Vie de Louis Leblanc. Louis Leblanc qui a accroché ses patins puis qui est de retour à Harvard faire finir ses études. Puis c'est un bel article sur la résilience puis comment un jeune retraité, parce que je pense qu'il a juste 25 ans, comment le processus en fait. Puis non, moi j'ai trouvé que c'était un bel article. Puis on souhaite le meilleur à Louis Leblanc qui malheureusement a été victime du hype à Montréal, je pense, j'imagine. Ça fait que c'est tout pour la chronique ailleurs, mais je voudrais juste souligner qu'on est sur YouTube maintenant, contre toute logique, parce que personne d'autre va faire ça, mettre leur truc sur YouTube. Savez-vous pourquoi? Parce que nous autres, là, le monde, ils vendent de la publicité, puis plus tu cliques à la même place, plus tu fais de publicité, plus tu fais d'argent. Nous autres, on s'en calisse l'argent. On veut que ça soit plus facile et que ça soit accessible à vous autres. C'est un move qui est vraiment pas normal selon comme la business qu'on devrait faire, mais on a décidé que c'est meilleur pour vous de pouvoir nous trouver partout. Ça fait qu'allez nous écouter sur YouTube, allez downloader nos podcasts, c'est très important. Regarde, on fait pas de pub, là, mais juste de savoir que vous nous écoutez, c'est ça notre paye. Ça fait qu'allez vous abonner, allez sur notre site www.hockeysanslimite.ca, puis vous allez pouvoir voir en haut toutes les façons de vous abonner par Google Play, par iTunes ou par YouTube pour avoir nos shows directement qui sont sortis.
C'est bon. Ça, ok, je ferme ma gueule, Yannick, c'est ouais, beau, c'est ouais, beau. Ouais, ouais, on est rendu là. Bon, avant le match, vite fait, les Blackhawks de Chicago, les Canadiens est premier de la Ligue avec 27 points, les Blackhawks sont troisième à 22 points. Les buts par match, les Canadiens est troisième à 3,4 buts par match, les Blackhawks sont quatrième à 3,33. Les buts alloués, Canadiens est premier, on alloue 2 buts par match seulement depuis le début de l'année. Les Hawks sont neuvième à 2,4. Les tirs par match, les Canadiens est 27e à 28,1. 28,13, les Canadiens 27e. Les Hawks, 24e à 28,67. Les tirs contre, les Canadiens 26e à 33,07 par match. Les Hawks, 24e à 31,73 par match. Il y a moins de 1,3 tirs de différence alloués entre les Hawks et les Canadiens. Mais on chiale, nous autres. Hein, on chiale. L'avantage numérique des Hawks est 12e de la Ligue à 19,67%. Celui du Canadien est 8e hier grâce à 2 buts à 21,74%. Le désavantage numérique des Canadiens est à 80,7%. Celui des Hawks, 30e de la Ligue, 67,4% en désavantage numérique pour les Blackhawks de Chicago, qui est désastreux. Aïe, aïe. On va se dire tout de suite. Ça n'a pas de sens. Surprenant. Bon, les prédictions sur le chat, allez-y, c'est le temps. C'est qui dans les buts pour Chicago? J'ai pas vu. À mon avis, plus. J'ai pas vu. Je peux même aller voir sur mon application. Parce qu'eux, ils jouaient pas hier. D'après moi, ça va être Crawford. Hein? À mon avis, ça va être Crawford. Ouais, c'est ça. Je pense aussi qu'ils jouaient pas hier. Fait que. Expected, c'est Crawford. On sait que c'est Montoya. Mais c'est supposé être Crawford. À mon avis, ça va être Crawford à domicile. Un peu le même principe que quand Price go à domicile. Vos prédictions, les boys, il reste 5 minutes, fait que je vais commencer avec toi, Mike, ta prédiction à soir. Malheureusement. Il y a deux strikes qui doivent se finir, la série de défaites à Chicago ou la strike de Montréal. Je crois que Chicago va gagner ce soir, en raison justement qu'eux vont avoir leur gardien numéro 1 et nous non. Fait que je prédis une victoire de 4-2 Chicago. Mike, 4-2 Chicago. Mais ça Daniel, va être serré. Daniel, tu t'attends à un match serré 4-2? Oui. OK. Daniel? Je m'attends à un match serré, moi aussi, sérieusement. Là, parce que, écoute, on joue tout le temps bien contre des bonnes équipes. C'est sûr qu'on n'a pas Price. Mais, tu sais, Montoya, à part son fiasco, là, justement, de contre Columbus, il a bien joué depuis le début de la saison. Sauf que j'ai l'impression qu'à quelque part, à un moment donné, la loi de la moyenne, il va falloir qu'elle nous rattrape. Là. Puis pas rien que ça, c'est que Chicago, ils vont recommencer à marquer un moment donné. Sauf que je m'attends à un match serré. Moi, j'ai l'impression qu'on va perdre en prolongation 2-1. Oh, 2-1 prolongation, Hawks. Tout le monde est pour les Hawks ici. Eli, vas-tu changer la tendance avant que je le fasse? Non, man. Non, j'ai le même feeling qu'eux autres, je pense que... Pour moi, c'est bizarre, hein? Moi, c'est... On sait, ben, toi... Non, mes feelings... C'est bizarre! Bon, hier, je m'attendais à un match serré, ça finit 5-0, mais mes feelings à date sont bons, mais moi, je pense que... C'est bizarre, là, mais je vais prendre pour le Canadien, Yannick. wow! Ça, c'est bizarre. Non, mais tout ça pour dire que je pense que c'est ce soir qu'on va avoir un grand test, et le grand test est devant le filet. Comme les Kings, hein, c'est un grand test aussi. Ouais, mais le grand test sans notre meilleur joueur est un tout autre grand test. Je pense que les joueurs vont vouloir gagner pour Montoya. Je pense que Montoya va vouloir gagner pour lui-même, pour sauver la face. Je pense que ça va être difficile. Je pense que c'est une bonne équipe. C'est pour ça. Moi, j'espère que je vais me tromper bien raide, mais je sais pas. Victoire des Canadiens pour moi. 3-1. Pas parce qu'ils joueront pas bien, mais... 3-1, 3-2, un score de même. Je t'ai dit, mais les joueurs en doivent tellement une à Montoya. Là. Ouais, vous allez voir un match absolument... capotant du Canadien à soir. 3-1 Chicago. Laisse-moi finir, là, puis je te dis 3-1 Chicago. Ben, là, moi, je vais mettre à 4-2 Montréal, OK? Hein? Parce que je pense que ouais, avec un filet désert, je vais même marquer un filet désert ben, à côté. 5-1 Chicago, d'abord. Hein? bon, les prédictions du chat. Benoît, 1-0 Canadien. Pops, 3-2 Montréal. Guillaume, 4-2 Hawks. Sylvain Quelqu'un, 3-2 Montréal. Yann Pelletier, 4-2 Montréal. Stéphanie Marcoux, la belle Stéphanie, bien sûr, 5-4 Canadien. Elle a prédit des buts, 9 buts. Louis, 3-2 CH, en été Crawford, 935 d'efficacité cette année, 7 victoires, 3 défaites, 2 défaites en overtime. C'est bizarre, mais je pense qu'on est dans une saison présentement avec le leadership, avec l'ajout de robustesse. Shaw qui revient, qui va mettre du cash sur le tableau pour battre les Hawks. Moi, je vous le dis, man. J'ai un feeling que Canadien va finir cette disette de 15 ans-là, puis on est dans un mood présentement où on doit les joueurs doivent se lever pour Montoya. Shaw qui va mettre de l'argent sur le tableau.
j'ai le feeling qu'à soir, on va la gagner. J'ai vraiment un feeling qu'on va gagner. Là, ben, j'espère sérieusement que tu te tromperas pas, sérieusement. Là, moi, garde, je veux qu'il gagne, mais c'est juste, je sais pas. J'ai un feeling, là, mais je veux qu'il gagne pareil. Là, depuis que j'ai posé ma question de la semaine, Yann, il fait tout à l'envers de moi. Fait que moi, je prédis 4-2 d'un bord, il prédit 4-2 de l'autre bord. Ah oui, j'ai prédit 4-2. Il va finir par te faire. Bon, ben, merci beaucoup les boys d'avoir été là. Yes, ça fait plaisir. Yes, bon match tout le monde. Yes. C'est tout pour nous autres, tout le monde. Downloader le podcast. Ouais. Downloader le podcast. Ouais. Envoyez-nous un email si vous voulez un t-shirt avec la grandeur. Il est pas capable d'arrêter, hein. Je peux pas faire l'intro. L'intro. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Vous avez vu Donkey Sun Hit, une version hebdomadaire avant match. On se revoit mardi. Le Canadien qui affronte les Panthers de la Floride, 19h30 à Montréal. On vous souhaite un excellent match contre les Hawks. On se revoit mardi. Attention à vous autres. Bon match.